Créé par John Wagner et Carlos Esquerra dans les pages de la revue 2080 AD à la fin des années 70, le juge Joe Dredd s'est rapidement imposé comme l'un des personnages de comics britanniques les plus reconnaissables. Homme de loi aussi expéditif qu'intransigeant, faisant régner l'ordre de façon musclée dans un futur post-apocalyptique dénonçant avec humour noir les dérives sécuritaires des sociétés occidentales, Dredd a fait l'objet de multiples adaptations en jeux vidéo. Les Australiens de Beam Software sont les premiers à réaliser une adaptation vidéoludique des aventures de Dredd sur Commodore 64. Comme le comics, le jeu prend place au 21e siècle, sur une terre ravagée par une guerre nucléaire. En Amérique du Nord, seules quelques enclaves de civilisation subsistent, séparées par un désert radioactif appelé les Terres Maudites. Mega City One est l'une de ces enclaves, une gigantesque jungle urbaine où s'entassent 800 millions d'habitants, gangrénée par une criminalité galopante. Mega City One est dirigée d'une poigne de fer par les juges, à la fois policiers, jurys et bourreaux. Joseph Dredd n'est pas seulement le plus inflexible de ces hommes de loi. Il est la loi. Assez ambitieux, le jeu de Beam Software propose d'incarner Dredd alors qu'il doit traquer divers criminels dans les rues de Mega City One. Le jeu propose une structure ouverte, avec des tableaux interconnectés à la façon d'un Metroid. Malheureusement, malgré des graphismes corrects et une bonne volonté évidente des développeurs, l'action se révèle assez confuse, les objectifs peu clairs et la maniabilité trop raide. Quelques années plus tard, en 1990, une nouvelle adaptation voit le jour sur Amiga, Atari ST et Commodore 64. Développé par la société Random Access et publié par Virgin, le jeu abandonne la structure ouverte de son prédécesseur pour proposer une succession linéaire de niveaux. Chaque niveau est l'occasion pour Dredd de faire face à une menace issue du comics, avec à chaque fois des objectifs un peu différents. Par exemple, pour mater la révolte des Fatties, Dredd devra détruire les distributeurs automatiques de nourriture. L'une des subtilités du jeu est que Dredd a un temps limité pour accomplir ses objectifs avant que la jauge de loi ne soit complètement vidée et la situation ne devienne hors de contrôle, ce qui équivaut au game over. Pour gagner des secondes supplémentaires, Dredd devra abattre des criminels. Mais attention, car des innocents parcourent également les niveaux, et leur tirer dessus par erreur aura pour effet de réduire la jauge de loi. Pas question de tirer sur tout ce qui bouge donc. En dehors de ça, le jeu s'avère vite ennuyeux et répétitif. Au début des années 90, Hollywood achète les droits de Judge Dredd et met en chantier un film à gros budget basé sur la bande dessinée. La société Midway, dont la série Mortal Kombat connaît alors un grand succès, se met au travail sur un beat'em up mettant en scène les personnages du comics et destiné aux salles d'arcade. Si l'on reconnaît immédiatement le style Mortal Kombat, avec des sprites réalisés en filmant des acteurs sur fond vert et un gameplay très rigide, Judge Dredd version arcade s'avère au moins très fidèle à l'univers du comics, même si ses qualités ludiques sont plus discutables. Bien que le jeu soit terminé, seul un petit nombre de bornes fut produit. Ces bornes furent ensuite installées dans quelques salles américaines en guise de test. Vu que le jeu ne connut pas de distribution à grande échelle, il faut croire que ce soft launch ne fut pas concluant. Cette indifférence du public américain s'explique sans doute en partie par le fait que les comics 2000 AD n'étaient alors pas très connus outre-Atlantique. Le film Judge Dredd sort en salle en 1995 avec Sylvester Stallone dans le rôle titre. Le juge fait son retour sur console par la même occasion, dans le jeu vidéo tiré du film. Sorti sur console 16 bits, console portable et PC sous DOS, le jeu du film est réalisé par Acclaim via son studio de développement Probe Software. Même si le film a causé la colère des fans du personnage, le jeu se révèle une excellente surprise, en particulier dans sa version Super Nintendo. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur jeu réalisé jusque-là par Probe. Il s'agit donc d'un jeu de plateforme action où l'on incarne Dredd dans une succession de niveaux labyrinthiques, où il devra accomplir des objectifs précis collant vaguement à la trame du film. On affrontera donc Rico, le frère slash clone de Dredd, bien décidé à réduire Mega City One à feu et à sang. Si Dredd a à sa disposition un arsenal varié, il augmentera son score en arrêtant les criminels plutôt qu'en les tuant. Pour ce faire, il faudra leur infliger suffisamment de dégâts pour causer leur reddition. Les différents modes de tir disponibles et les différents coups qu'il est possible de donner au corps à corps rendent les combats assez tactiques, même si malheureusement les affrontements contre les boss n'exploitent pas cette richesse et se résument à des fusillades basiques. La palette de mouvements de Dredd est très étoffée et les niveaux regorgent de passages secrets accessibles en utilisant intelligemment le décor et notamment des caisses destructibles qu'il est possible de pousser pour créer des plateformes. Plus tard, Dredd aura accès à divers accessoires comme une sorte de jetpack.
La version Super Nintendo inclut bien évidemment un stage en mode 7, dont on se serait par ailleurs bien passé tant il n'apporte rien d'un point de vue ludique. Si l'on apprécie le jeu de probe pour sa réalisation de qualité et son gameplay bien huilé, on s'aperçoit rapidement qu'il est surtout l'œuvre d'authentiques fans du comics. Les niveaux sont bourrés de clins d'œil et de références aux plus célèbres aventures papier de Dread, comme par exemple la présence de graffiti Chopper dans les décors. Encore mieux, les légendaires Dark Judges, Death, Mortis, Fire et Fear, ennemis jurés de Dread dans le comics, pourtant totalement absents du film, ont un rôle majeur dans cette adaptation. L'intrigue du long-métrage cinéma est d'ailleurs assez vite expédiée pour mettre Dread face aux Dark Judges, véritables antagonistes du jeu. 2 ans plus tard, c'est à la PlayStation d'accueillir son adaptation de Judge Dredd, cette fois-ci sous la forme d'un rail shooter façon Time Crisis. Tandis que les décors en 3D précalculés défilent en arrière-plan, Dredd doit éliminer des hordes de cyborgs et autres criminels tout en évitant de toucher les innocents et les otages. Proposant une expérience correcte, le jeu est surtout mémorable pour ses scènes cinématiques en prise de vue réelle, à la réalisation glorieusement kitsch et au second degré omniprésent. Mais certains diront que ces séquences dignes des pires nanars sont toujours plus réussies et fidèles au personnage que le film avec Stallone. Il faudra attendre 2003 pour que Joe Dredd reprenne du service sur PC, GameCube, PS2 et Xbox dans Dredd vs Death. Entre-temps, 2000 AD a été racheté par l'éditeur de jeux vidéo Rebellion, connu pour la série Alien vs Predator. Rebellion se met donc immédiatement au travail sur un jeu vidéo mettant en scène le plus dur à cuire des juges de Mega City One. Dredd vs Death est un FPS à petit budget et fut d'ailleurs vendu à petit prix au moment de sa sortie. Une stratégie commerciale avant-gardiste qui trouve écho aujourd'hui dans les jeux sortant directement en téléchargement. On y incarne le juge Dredd à la première personne tandis qu'il défend Mega City One contre une invasion de vampires et autres morts-vivants. Il découvre évidemment rapidement que ces troubles sont causés par les Dark Judges qui cherchent à s'échapper de leur prison. Comme le jeu Super Nintendo, Dredd vs Death encourage le joueur à arrêter les ennemis plutôt que les tuer. Cela permet notamment d'obtenir une meilleure évaluation à la fin des niveaux et de débloquer divers bonus comme des skins supplémentaires pour le mode multijoueur. Dredd n'a pas non plus tous les droits. Tirer sur les innocents, les autres juges ou faire preuve de cruauté injustifiée envers les ennemis causera l'arrivée des SJS, la police des polices de l'univers de Dredd, suivi d'un game over. En revanche, aucune retenue n'est demandée face aux morts vivants, que le joueur peut donc éliminer à grand renfort d'explosion ou de lance-flammes. Comme dans la BD, l'arme de service de Dredd, le fameux pistolet Lawgiver, possède plusieurs modes de tir, perce-armure, incendiaire, IX ou encore rebond. Dredd vs Death n'est pas très long, et la première moitié du jeu est clairement mieux réalisée que la seconde un peu bâclée. L'univers des comics 2000 AD est malgré tout très bien reconstitué, avec des décors urbains parfois très réussis, un humour grinçant bienvenu et une bande-son entraînante. Les amateurs de télévision britannique reconnaîtront d'ailleurs peut-être la voix de Judge Death. Il s'agit de Nicholas Briggs, interprète des Daleks et Cybermen dans les épisodes récents de Doctor Who. Comme mentionné plus tôt, le jeu inclut également un mode multijoueur classique mais efficace. Bien que très loin d'une qualité AAA, Dredd vs Death était un divertissement plus qu'honnête pour son prix. Malgré la sortie en 2012 d'un deuxième film vraiment réussi avec Karl Urban dans le rôle-titre, Judge Dredd n'a pas connu de nouvelle adaptation vidéoludique en dehors de quelques petits jeux sur mobile et tablette. Autant dire que c'est un crime.